essayer de comprendre cette évolution et comment le monde se transforme grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet et plus globalement grâce au smart, c'est-à-dire le smartphone, mais aussi les smart cities, les villes numériques, ou encore le smart power aussi. Nous considérons la liberté d'expression et de croyance, d'accès à l'information et de la participation politique comme des droits universels. Ils devraient être accessibles à tous. En fait, Internet est territorialisé, souvent localisé, parfois communautarisé, lié à votre sphère, vos amis, votre langue, votre culture. Donc, chaque page Facebook est différente, chaque compte Twitter suit des amis différents, et l'Internet qui est produit, contrairement à ce que pensent les patrons de la Silicon Valley et parfois les critiques d'Internet, en réalité, Internet est partout. En réalité, la culture, les identités, mais aussi nos forces et nos faiblesses ne sont pas menacées, mais plutôt laissées entre nos mains. C'est à nous de gérer cette affaire et de faire en sorte qu'on soit capable de maîtriser les technologies. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus à Audencia pour cette nouvelle conférence Isegoria et bienvenue. Avec toute mon équipe, c'est un plaisir que de vous recevoir à Audencia dans le cadre de ces conférences Isegoria. Je veux remercier particulièrement la Audencia Junior Conseil, toute son équipe, son président Jérémy Assion ainsi que ses clients venus ce soir assister à cette conférence. C'est la première fois qu'Audencia Junior Conseil et Isegoria collaborent afin de communiquer autour d'un événement. Et nous avons apprécié de travailler avec l'Audencia Junior Conseil. Audencia Junior Conseil, pour vous dire quelques mots dessus, est un cabinet de conseil professionnel et bénéficie de l'ensemble des ressources d'Audencia pour réaliser des prestations en conseil, en audit, pour de grandes entreprises, de petites entreprises, TPE, PME, et puis aussi des auto-entrepreneurs auxquels l'Audencia Junior Conseil apporte une expertise à moindre coût. L'Audencia Junior Conseil ne néglige pas non plus le cadre strict de la Confédération nationale des juniors entreprises, alors n'hésitez pas à venir les rencontrer à l'issue de la conférence, ils seront là pour répondre à vos questions. Venons-en au cœur de cette conférence, parce que à l'occasion de cette conférence, nous avons voulu parler d'un nouvel enjeu, un enjeu du 21e siècle, ou devrais-je même dire peut-être une révolution, Internet. Et oui, Internet a changé nos vies, Internet a changé la notion d'espace, car Internet supprime la distance qu'il existait jusqu'à présent entre les hommes. Car Internet ouvre un monde virtuel, sans limite. Un monde où chacun peut entrer en contact avec l'autre. Un monde où chacun peut construire son propre territoire, sa propre communauté, voire même sa propre société. Alors c'est donc dans ce monde, connecté, globalisé, que désormais nous évoluons. Partout. Partout le web est présent. Nous parlons de Smart City, ville numérique, ville intelligente. Nous parlons de Smart TV, de Smart Economy et bien évidemment de smartphone. Alors, oui, tout est smart, encore plus smart, toujours plus smart, le monde devient smart. Mais cette révolution,
comme toutes les révolutions, pose question. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Frédéric Martel, qui longuement a enquêté sur cette nouvelle tendance du smart. Vous avez longuement enquêté sur cette tendance à l'occasion notamment de votre dernier livre, Smart, enquête sur les internets, sorti le 23 avril dernier. Et je veux vous remercier sincèrement, au nom de l'école, au nom de l'association, d'avoir accepté de venir témoigner de ce nouveau phénomène ce soir à Audencia. Cher Frédéric Martel, j'ai la charge, la responsabilité, l'honneur peut-être aussi, de parler de vous. Parler de vous, bien, c'est difficile. Pas parce que je manquerai d'informations pour pouvoir expliquer qui vous êtes. C'est difficile parce que vous êtes un homme aux compétences multiples. Écrivain, chercheur, journaliste, conseiller auprès d'hommes et de femmes politiques. Autant d'activités qui sont, je crois, le reflet de votre exigence intellectuelle. Allez, commençons par votre rôle de journalisme. Dès l'âge de 15 ans, vous faites votre première émission de rock sur une radio libre en Avignon. Et c'est aujourd'hui qu'on vous retrouve chaque dimanche sur les ondes. Le matin, France Info, où vous mettez en perspective un sujet d'actualité. Et le soir, depuis 8 ans, sur France Culture, où vous animez l'émission Soft Power. Vous y parlez de l'industrie des médias, de la culture. Et vous faites la synthèse entre des analyses économiques et sociologiques et culturelles. Et je crois qu'on peut dire que vous n'êtes pas un journaliste pour rien. Vous dites motivé par la passion de l'enquête, par cette envie d'analyser, de faire comprendre aux autres. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes un écrivain à succès. Vous, l'auteur de 9 ouvrages, faites parler de vous. Écrivain-chercheur, indépendant d'esprit, vous avez approfondi un travail de recherche sincère sur l'ensemble des problématiques culturelles. Avec le livre Mainstream, en 2010, vous voyagez autour du monde et enquêtez sur la situation des industries créatives face à la mondialisation. Mainstream a d'ailleurs passionné les lecteurs en France et du monde entier, puisque votre ouvrage sera traduit en 11 langues et vendu dans plus d'une vingtaine de pays. Et bien, c'est fort de ce succès qu'aujourd'hui vous revenez sur le devant de la scène littéraire avec votre nouveau livre, Smart, pour lequel vous avez entrepris des recherches planétaires, vous me direz si je me trompe, dans près de 50 pays au cours des 5 dernières années. Une nouvelle fois, vous nous proposez une expertise de ce monde digital et de la place d'Internet dans nos vies, ainsi que des conséquences de ce même Internet sur la culture et les relations internationales. Mais je le disais, vous êtes aussi engagé aux côtés d'hommes et de femmes politiques. Nous recevions, il y a quelques mois à peine, M. Michel Rocard. Eh bien, vous avez été son conseiller. De même, vous avez été un des conseillers techniques de Martine Aubry, alors ministre de l'Emploi. Et en 2007, vous avez co-rédigé plusieurs rapports remis à la candidate socialiste à la présidence de la République, Ségolène Royal. Alors aujourd'hui, c'est dans les couloirs du ministère de la Culture que l'on vous retrouve. Vous êtes chargé d'une mission d'expertise par la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Voilà donc, cher public, qui est Frédéric Martel. Polyvalent, indépendant, dynamique, travailleur aussi. Ses compétences, vos compétences, vous les mettez au service d'une thématique, la culture, d'un domaine, les médias. Alors c'est vrai, parfois vous critiquez le domaine de la culture en France, parce que vous avez la volonté de faire bouger les choses, parce que vous avez envie que nous allions de l'avant, parce que vous regrettez que la France soit un peu solitaire en Europe dans cette grande course mondiale au numérique. Alors chaque jour, vous essayez de déchiffrer un peu plus le monde qui vient. Et ce soir, encore une fois, vous aurez cette responsabilité de nous faire aller de l'avant, décryptant un peu plus ce monde qui se transforme grâce à Internet. Peut-être aussi lèverez-vous nos doutes, nos craintes, nos peurs sur cet Internet dont pourtant nous ne pouvons nous passer. Alors, saurez-vous nous convaincre? Internet est-il mondialisé? Internet est-il territorialisé? Autant de questions auxquelles vous apporterez, cher Frédéric Martel, beaucoup de réponses. Alors avant de laisser la parole à Laurent Noël, le parrain de l'association, pour préciser un peu mieux les enjeux de cette thématique, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe Isegoria, cher Frédéric Martel, chers étudiants, chers publics, une excellente conférence et une très bonne soirée à Audencia Nantes. Merci à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci donc d'être venus ce soir pour assister à une nouvelle conférence Isegoria. Cher Frédéric Martel, nous sommes absolument enchantés de vous accueillir à nouveau dans cet amphithéâtre pour la quasi-avant-première de votre dernier ouvrage, puisque l'ouvrage a été publié, si ma mémoire est bonne, le 23 avril, donc il y a quelques semaines à peine. Avant de vous passer la parole, permettez-moi de dire quelques mots sur la problématique qui nous réunit ce soir.
Je crois tout d'abord important de compléter, sans tomber dans la redondance, la présentation de Julien, notre dynamique et enthousiaste président, en ajoutant quelques mots sur vous, cher invité, et la place particulière que vous occupez dans le paysage culturel français. À l'instar d'un Emmanuel Todd, vous faites figure d'esprit indépendant, ça Julien l'a dit, sinon de météorite, dans le paysage des intellectuels contemporains. Ce constat s'applique à la fois à vos méthodes de travail et aux sujets auxquels vous vous confrontez. L'orthodoxie de la recherche scientifique préconise de poser une problématique, d'effectuer un état de la science rigoureux et exhaustif, de définir et de circonscrire un champ d'étude, de poser des hypothèses, de conjuguer analyse quantitative et qualitative, de rédiger prudemment des conclusions. Bref, un processus minutieux mais aussi lent, à la portée limitée au périmètre étudié et au public restreint, le plus souvent celui des chercheurs du domaine. Bref, un monde assez autarcique, trop sans doute, celui des sciences humaines. C'est particulièrement vrai de l'économie, et je sais de quoi je parle. Bien que formé à l'université, vous vous êtes en partie affranchi de cette méthodologie. La vôtre est plus directe et plus ambitieuse. Vous vous emparez d'un sujet avec des hypothèses de travail que vous allez ensuite confronter au terrain et aux expériences des acteurs. La portée de vos résultats est tout autre, s'adressant à un large public, y compris d'ailleurs celui des chercheurs, parmi lesquels vous comptez détracteurs, mais aussi supporters. Et pour cause, les sujets que vous traitez ne pourraient en réalité pas être analysés par nos méthodes universitaires. Vous avez ainsi successivement bousculé le conservatisme français avec de la culture en Amérique. Et là, normalement, une diapositive doit jaillir. Merci. Donc, vous avez ainsi successivement bousculé le conservatisme français avec de la culture en Amérique, paru en 2006. Puis le consensus établi d'une culture américaine hégémonique avec Mainstream en 2010. Avec Smart, vous étudiez les différents usages de l'Internet dans le monde, ce qui tord la vision occidentale d'Internet. En dehors des usages professionnels, et comme me l'indiquait hier Sandra, une de mes étudiantes, que vous connaissez d'ailleurs, avant Smart, nous avions une vision récréative des réseaux sociaux liés à nos usages, mais nous avons réalisé à quel point les situations divergent ailleurs. Smart est donc autant une confirmation de la conclusion nuancée de Mainstream qu'un approfondissement de la diversité des pratiques autour de la planète. On y apprend par exemple qu'un smartphone permet de payer son taxi à Nairobi, de circuler en toute sécurité à Monterrey et que l'application Lampe de Poche est l'une des plus téléchargées à Soweto ou dans les favelas, à défaut d'éclairage urbain. Entre autres qualités, Smart met l'accent sur notre tendance naturelle à vivre de manière européano-centrée, et avec un prisme qui ne nous permet pas de voir toute la diversité du monde et l'étendue des bénéfices de la révolution numérique. Internet, le smartphone et les réseaux sociaux favorisent tant les libertés et la démocratie, je vous renvoie au printemps arabe, que le développement économique de zones jusqu'alors enclavées, ainsi de telle ou telle région de l'Afrique. Enfin, et ce n'est pas la moindre des prises de conscience, votre essai nous montre le retard criant en matière d'économie numérique pris par l'Europe sur les États-Unis. Les géants du secteur sont américains, et la stratégie économique européenne fait pâle figure. Alors que l'État fédéral américain investit 80 milliards de dollars par an pour les nouvelles technologies aux États-Unis, l'Europe, dans sa stratégie Europe 2020, dépensera un peu plus d'1,4 milliard d'euros sur une période de 7 années. Vous l'aurez compris, Smart est un ouvrage passionnant à lire, tant il est une fenêtre ouverte sur un monde que les médias traditionnels ignorent. Mais personne n'en parlera mieux que vous, Frédéric Martel. Merci encore de nous avoir fait l'amitié de revenir nous voir ici, ce soir. La parole est à vous. Bonsoir à tous, merci infiniment de cette invitation. C'est d'ailleurs c'est la seconde fois, il faut dire seconde puisqu'on dit deuxième quand il y a un troisième, c'est la seconde fois que je suis ici, donc de retour, heureux de revenir ici. Il y avait quoi, 4-5 ans, j'ai dû venir à Nantes et à Audencia pour d'ailleurs Mainstream, qui était ce livre précédent. Et c'est d'ailleurs, et peut-être vous m'en excuserez, la première en fait conférence que je fais sur ce nouveau livre. J'ai été déjà 2-3 fois dans des signatures, j'étais ce week-end en Alsace, j'étais à Bruxelles, etc. Mais ça n'a pas été jusqu'à présent, j'ai pas eu l'occasion encore de faire vraiment une conférence, donc c'est un peu un work in progress. Je l'ai d'ailleurs changé dans le train parce que celle que j'avais préparée déjà ne me plaisait pas. Donc vous me direz, j'espère que ça vous conviendra. Et je remercie non seulement Julien qui a pris la peine de même venir me voir à Paris
pour préparer cette conférence, Laurent qui l'a introduite et ceux qui sont venus me chercher, dont d'ailleurs, et ça m'a donné l'idée de commencer comme ça, c'est une manière de remercier le chauffeur qui m'a accompagné jusqu'ici, puisque c'était sa fonction ce soir. Il s'appelle Paul, vous le connaissez. Et j'ai décidé de commencer par cette, au fond, par l'Inde, parce que, oui, c'est drôle, parce que, et de vous parler d'un garçon que j'ai rencontré là-bas, d'un jeune, comment dire, et en fait de partir par deux, trois images avant d'en venir au fond de ce que j'aimerais vous dire. Un soir, vous savez, quand on fait le type d'enquête que je fais, la difficulté, c'est souvent la préparation. Il faut, on va se retrouver dans un pays pendant une semaine, deux semaines, rarement plus. Ça coûte assez cher, surtout quand on fait non seulement 50 pays, mais plusieurs fois plusieurs de ces pays, donc c'est au moins une centaine de voyages. Et on est là et on doit... entre guillemets, occuper le maximum de son temps à travailler, hein, rencontrer des gens. Généralement, on le fait, enfin, moi je le fais de 7h du matin à minuit en utilisant tous les moyens possibles. Alors, il y a des pays comme les États-Unis où il faut que tout soit prêt avant d'arriver, sinon c'est assez difficile de changer son emploi du temps au dernier moment. Il y a aussi le Japon et la Chine où là aussi tout doit être très très préparé à l'avance. Et c'est la même chose pour un certain nombre de pays très orthodoxes où il faut demander des rendez-vous, passer par des PR. Vous savez, c'est public relations, dont le métier principal est de tout faire sauf de la communication. C'est-à-dire de vous empêcher en fait de voir les gens. C'est ça le métier des PR la plupart du temps dans le monde. Et en Inde, c'est exactement l'inverse. Vous pouvez essayer de fixer des rendez-vous, mais c'est quasiment impossible. Donc vous arrivez... Et vous ne savez pas trop ce qui va se passer parce que personne n'a répondu à vos emails, personne n'a vraiment accepté de vous voir. Et vous êtes là tout seul et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 10 jours puisque j'ai beaucoup de contacts, mais pas beaucoup de moyens de voir les gens. Et en fait, vous commencez à prendre votre téléphone sur place, vous appelez les gens. Et là, tout de suite, ils vous disent, mais bien sûr, c'est très simple, passez, venez. D'ailleurs, ce soir à minuit, on fait une fête, etc. Et en fait, vous voyez tout le monde, mais ce n'est pas organisé, c'est à l'indienne, un peu désorganisé. Et le premier soir, j'ai rencontré donc, ce jeune garçon, dont le nom, enfin jeune de 22-23 ans, dont le nom était Sao, S-A-H-O-O. Je vous donne son prénom parce que c'est une petite importance dans cette histoire. Sao, S-A-H-O-O. Et lorsque nous avons parlé, il était très fier de son nom et d'une carte d'identité qu'il m'a montrée, je vais y revenir. Et le premier intérêt de son nom, c'est que Sao, en l'occurrence, S-A-H-O-O, travaillait chez Yahoo. Évidemment, ça ne s'invente pas. Et donc, grâce à lui, j'ai pu, ce qui est assez difficile à faire, en fait, pénétrer d'une certaine manière dans ces fameuses sociétés américaines qui font de l'offshoring, de la sous-traitance ailleurs, et notamment en Inde. Et ce gamin était intéressant parce que non seulement il travaillait chez Yahoo, mais le soir, notamment le soir où je l'ai rencontré, il s'occupait d'un petit site qu'il avait créé et auquel il consacrait non seulement tout son argent, mais aussi tout son temps. C'était un site très modeste, dont vous trouverez l'adresse dans mon livre, et qui est facile à retrouver sur le web, et qui est en fait un site tout simple, d'ailleurs à but non lucratif, qui consistait essentiellement à récupérer les livres de business, c'est pour ça que ça vous plaira, de business, qui à travers, en Inde ou ailleurs, existaient pour comprendre notamment Internet et le numérique, et de fournir tout simplement par le biais de liens une possibilité pour les étudiants indiens d'avoir accès à ces contenus. Et ça sert essentiellement pour préparer les examens, les petits examens qui permettent d'accéder aux sociétés de l'offshoring qui sont en Inde. Grosso modo, si vous voulez travailler chez Yahoo, vous allez sur le site de Sao et vous téléchargez les guides, les ouvrages de préparation aux examens. Il vous dit comment il faut faire et ça vous aidera à rentrer plus vite dans ce type d'entreprise. Ce qui évidemment constitue une forme d'ascension sociale très forte quand vous venez comme lui d'un petit village du nord de l'Inde et que vous arrivez à Bangalore où vous avez un salaire qui pour nous paraîtra assez bas mais pour lui apparaît assez élevé et en tout cas est un moyen de sortir de la vie qui était celle notamment de ses parents. Dans ce résumé assez rapide, et j'en fais un portrait assez long dans le chapitre consacré à l'Inde, plusieurs choses m'ont frappé. D'abord, quelqu'un m'a dit, et j'adore cette phrase, et je l'ai mis même en titre de chapitre dans ce livre,
Vous savez tous ce que signifie IT, bien sûr, et tout le monde parle de IT ou parfois de ICT ou d'autres termes de ce type. Eh bien, en Inde, me dit-on là-bas, IT signifie, on croit tellement aux technologies que IT signifie Indian Technologies. Et ce qui est rigolo avec ce genre de portrait, de figures que je peux rencontrer, c'est-à-dire pas simplement les géants, pas simplement les grands patrons de sociétés comme Infosys ou Yahoo ou toutes ces grandes sociétés existantes en Inde, de même que tous ces patrons du web, de la Silicon Valley ou d'autres pays où j'ai pu être, c'est aussi rencontrer des petits start-upers ou des individus qui, dans leur coin, à la fois veulent changer leur vie et, ce faisant, changent l'Inde. Et en changeant l'Inde, change le monde. Et je trouve que c'est un résumé assez saisissant de ce qui est en train de se passer, à la fois l'émergence d'un certain nombre de pays, la transformation sociale engendrée par Internet, et aussi comment des individus pauvres, inconnus, consacrent l'essentiel de leur vie, de leur argent, mobilisant leurs femmes, ils s'étaient mariés quelques semaines avant que je le rencontre, pour nuit et jour, travailler sur un petit site qui donne sens à sa vie, tout en travaillant pendant la journée chez Yahoo, qui lui permet de gagner sa vie. Et ce Saou en question avait, lorsque je l'ai rencontré, une carte d'identité qu'il m'a montrée, qui est un petit bout de papier en fait, et c'est cette fameuse carte d'identité numérique qui est en train d'être mise en place en Inde, universelle, et là où le projet individuel se transforme en projet de millions de personnes, c'est au fond cette idée incroyable que de donner à chaque Indien, c'est-à-dire plus d'un milliard de 300 millions de personnes, une carte d'identité avec partout un numéro, et de cette carte d'identité permettre enfin de pouvoir identifier la totalité des Indiens et pouvoir, grâce à ça, le connecter à des assurances, à des banques, le connecter aussi à des systèmes d'éducation, de remboursement du social, etc., avec tous les problèmes que ça peut poser. On peut en parler après dans la discussion, mais on voit bien comment le numérique, ça peut être une petite chose, mais aussi des grandes choses, comment ça modifie la vie des gens dans des détails, mais ça peut la modifier aussi en profondeur. Le deuxième exemple, le second exemple que je prendrai, vous l'avez évoqué, Laurent, très brièvement, c'est le Mexique. Au Mexique, où je vais assez régulièrement pour plein de raisons, et notamment parce que c'est un pays émergent intéressant, un peu différent aussi, même si le Brésil tout à côté, enfin plus éloigné, est aussi d'une certaine manière une forme d'émergence intéressante. J'ai été, un peu par accident d'ailleurs, dans deux, trois villes assez loin de Mexico. D'abord Monterrey, que vous avez cité, qui est tout au nord, vous savez, on n'est pas très loin, on est à une heure, je crois, à peu près, de la frontière texane, donc pas loin de la rivière, enfin du Rio Bravo, etc. Et d'autre part, à Veracruz, qui là, pour le coup, est complètement à l'est, sur le golfe, et dans un endroit aussi où de passage. Dans les deux cas, ce sont des villes de passage. Dans un cas, depuis l'Amérique latine, on va vers le nord et on passe par le port. Et dans l'autre cas, on est près de la frontière texane. Et dans ces deux villes, qui sont des villes extrêmement dangereuses, où des milliers de personnes ont été tuées par les narcotrafiquants, j'ai découvert des multitudes d'usages d'Internet qui n'étaient pas du tout les mêmes que chez nous. Notamment le fonctionnement sur Facebook, sur Twitter et sur d'autres outils qui sont plus spécifiquement locaux, de moyens au fond d'information que nous n'avions pas parce que nous ne sommes pas dans ces situations d'urgence. Notamment dans ces villes, par le système des hashtags, par différents autres systèmes mis en place, alors que la presse est extrêmement silencieuse sur tout ce qui se passe de violent, non pas d'ailleurs parce qu'elle ne le voudrait pas, mais parce que tous les journalistes qui ont écrit sur les narcotrafiquants ont été sans exception exécutés. Pour cette raison même, il n'y a plus d'informations. On ne sait pas si quelqu'un a été tué, si une route est bloquée ou on risque de se faire tuer. On ne sait pas quels sont les endroits secure ou non secure tel soir ou tel autre. Et donc les gens
faute d'information, sont condamnés, en particulier le soir, à rester enfermés chez eux et à ne pas sortir. Et la particularité des réseaux sociaux, c'est qu'ils apportent des sources d'informations multiples, et je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais qui permettent au fond de pallier à cette absence d'informations et par des systèmes d'anonymisation et en même temps de vérification, par un moyen très simple, c'est que les gens trust ou ne trust pas, et dès lors que vous perdez confiance, votre hashtag ou surtout votre compte va être abandonné par tout le monde parce qu'on sait que vous n'êtes pas fiable ou parce que les cartels ont eux-mêmes des comptes et donc diffusent de fausses informations, etc. etc. Et donc ça m'a fasciné, ces utilisations un peu, je dirais, très différentes d'Internet et en l'occurrence des réseaux sociaux que chez nous. Et je terminerai par un troisième exemple, en fait, au lieu de deux, qui se passe ce coup-ci à Gaza, où j'étais l'été dernier. C'est pas le lieu le plus simple pour partir en vacances, surtout en ce moment. Pour entrer à Gaza, plus je suis rentré par l'Égypte, donc il faut non seulement un visa égyptien, ce qui est assez compliqué à avoir parce que on n'a pas besoin de visa quand on est français pour aller en Égypte, mais quand vous voulez sortir par Rafah, c'est-à-dire la frontière vers Gaza, vous avez besoin d'un visa, sinon les Égyptiens ne vous laissent pas sortir. Et puis il faut un visa du Hamas pour pouvoir rentrer. Donc c'est déjà toute une opération qui prend pas mal de temps, quelques semaines, et aussi de nombreuses heures juste pour franchir la frontière. Lorsque vous êtes de l'autre côté, donc dans la bande de Gaza, et à Gaza City, la ville de Gaza en particulier, eh bien vous êtes très surpris, alors qu'on peut penser que comme Cuba ou sans doute la Corée du Nord, on est dans un des pays les plus inaccessibles à Internet. En réalité, on est très surpris de trouver exactement les mêmes outils, exactement les mêmes, la même passion. Et je dirais que un jeune, plutôt d'ailleurs un garçon, parce que c'est très rare qu'on voit des filles dans les cafés ou dans les cybercafés ou dans les cafés de jeux vidéo, mais malgré tout, les garçons qui y sont seraient absolument pas différents de vous. Ils auraient pratiquement les mêmes téléphones avec une génération de retard, disons. Ils sont pas au... le smartphone est très généralisé déjà, mais c'est plutôt des modèles un peu anciens. Mais à part ça, on utilise Instagram, on utilise Twitter partout, Facebook, tous les cafés ont l'accès libre à Internet, etc. Donc, à partir de ces trois premiers exemples que je voulais, avec lesquels je voulais ouvrir cette intervention, on voit au fond à la fois des usages et des outils qui peuvent être similaires et des usages qui peuvent être différents. Et toute ma problématique est celle-ci. Au fond, comment raconter, et c'est pour ça que j'ai aimé la présentation que vous avez faite, en insistant sur la méthode que j'essaye d'avoir, comment raconter Internet, c'est-à-dire comment raconter quelque chose de profondément abstrait et le raconter de manière concrète. Ça peut être d'abord extrêmement laborieux et comment dire, ennuyeux à faire, et sinon, on peut tomber dans le jargon universitaire, ça peut être très bien, d'ailleurs, il y a des livres formidables qui ont été écrits de cette manière-là. Mon approche est une approche un peu différente, qui est une approche qui ne se veut pas journalistique, qui ne se veut pas journalistique purement, puisqu'elle s'appuie, elle s'adosse à un travail de terrain qui est quand même nourri par des expériences universitaires, mais en même temps assume le fait de ne pas être clairement académique et universitaire, même si j'ai fait ma thèse à l'époque, c'est ce livre qui s'appelle « De la culture en Amérique », qui était conforme à ce qu'on attend d'un chercheur pour avoir sa thèse, pour être accrédité par le Conseil national des universités et choses comme ça. Mais là, j'ai une méthode qui est une méthode de journalisme de terrain, qui est une méthode qui est très marquée par, je ne sais pas si vous lisez les grandes enquêtes, de terrain du New Yorker ou certains grands papiers du New York Times Magazine. C'est un petit peu ça que j'ai voulu faire. Et au fond, c'est une quinzaine de chapitres. Chaque chapitre est construit comme ça, autour d'une histoire, autour d'un récit, incarné, c'est-à-dire qu'on y est et on y a rencontré des gens, avec cette idée très forte pour moi, puisque face à cette crise de visualisation qui existe aujourd'hui sur Internet, pour savoir ce qui se passe, il me semble que contrairement à une idée normale qui pourrait être de se dire
Après tout, je suis devant mon écran, je regarde ce qui se passe et je peux faire un livre sur Internet en restant chez moi. J'ai pris le parti absolument opposé, contre-intuitif, qui est de dire Internet, ce n'est pas simplement ce qu'on voit partout, parce que partout, ce serait la même chose, mais il faut aller sur le terrain pour se rendre compte que c'est partout différent. Et donc, je n'ai aucun entretien qui a été fait ni par téléphone, ni de seconde main, mais tout ce que je rassemble dans ce livre, c'est deux premières mains, et c'est des situations que j'ai vécues avec des gens sur place, dans les pays de l'enquête. Alors, qu'est-ce qu'on voit et à quoi peut servir cette enquête ou ce type d'enquête où j'essaye de penser avec les yeux, hein, avec ce que je vois, et j'essaye d'observer ce qui se passe au fil de la route. D'abord, vous avez rappelé quelques engagements politiques que j'ai eus et je les assume totalement. J'ai été un opposant radical, quasi bolchevique, à visage totalitaire contre Nicolas Sarkozy. À une époque, j'ai été d'ailleurs aussi un grand opposant de François Hollande, donc ça a créé une forme d'objectivité malgré tout. Mais en l'occurrence, ce livre n'est pas du tout un livre idéologique. C'est un livre, je dirais, essentiellement basé sur cette enquête de terrain, et j'essaye de ne pas avoir, même si on en a forcément tous, de présupposés, j'essaye d'aller essentiellement, à partir de ce que je vois, d'en tirer des conclusions, d'ailleurs seulement dans la conclusion du livre, et même pas dans les chapitres, pour laisser au lecteur la capacité de se faire ses propres remarques, et d'ailleurs avec des jugements, des observations, des apports par les personnes interviewées qui sont souvent contradictoires, et c'est ce qui m'intéresse aussi que d'essayer de comprendre ce qui se passe. La principale et première conclusion de ce livre, je dirais que c'est essentiellement de mettre un peu, de contredire l'idée très ancrée, qu'elle soit portée par les patrons de la Silicon Valley ou qu'elle soit portée par les opposants à Internet et les critiques d'Internet qui ont peur au fond de ce monde qui est en train de naître, c'est que contrairement à ce que disent les uns et les autres, Internet me paraît assez peu global et que les conversations peuvent se nourrir, peuvent être possibles grâce à des outils qui sont un peu partout les mêmes, partout dans le monde, sauf en Chine et dans quelques pays comme à Cuba, où c'est très difficilement accessible, ou en Corée du Nord. Partout dans le monde, les gens utilisent Facebook, les jeunes, mais même pas que les jeunes. Mais si ces outils peuvent être globaux, les conversations ne le sont pas. Ce qui définit Internet, c'est beaucoup moins la globalisation, sa fonction globale, que sa fragmentation. Fragmentation du web en de multitudes de conversations fragmentées. Ce que j'appelle en jargon un peu les sphères conversationnelles fragmentées. Une fragmentation en des internets pluriels. Et donc, où la minuscule et le pluriel du mot Internet me paraît essentiel, d'où le titre du livre Smart, enquête sur les internets, I minuscule S au pluriel. L'autre élément, c'est que Internet n'abolit pas les frontières, mais qu'au contraire, il les consacre. Alors, frontières, je ne veux pas prendre le terme au sens strict. De même, quand je parle de territorialisation d'Internet, je ne parle pas d'un territoire obligatoirement physique. Ce que j'aime bien, c'est les deux nuances du mot frontière en anglais. Contrairement au français qui n'a qu'un mot, en anglais, il y a deux mots, comme vous le savez. C'est quoi les deux mots en anglais ? Border et le deuxième ? Frontière, justement. Et ces deux termes, border et frontière, ont un sens très différent en anglais. Le premier, la border, c'est ce que vous passez lorsque vous passez des États-Unis au Canada. Il y a un border avec une border patrol, avec un passeport à montrer, un visa, etc. Et par ailleurs, il y a la frontière. Et la frontière, c'est pas du tout la même chose. Frontière en anglais, c'est quelque chose de beaucoup plus, artificiel, symbolique. C'est ce que Kennedy appelait lorsqu'il disait la New Frontier, c'est-à-dire cette nouvelle frontière qui permettait d'aller dans l'espace. C'est bien sûr le mythe américain de la frontière, cette frontière qui bouge lorsqu'on va vers l'ouest et qu'on grandit avec l'Amérique. Et donc, d'une certaine manière, sur le web, je dirais qu'il n'y a pas de border, mais
mais il y a des frontières. Et cette nuance est importante. Par exemple, en anglais, on ne dit pas, lorsqu'on parle de médecins sans frontières, on ne dit pas « doctors without frontiers », ça ne voudrait rien dire. On dit « doctors without borders ». Et donc, il est important de faire la nuance de ces deux termes. Et je dirais que c'est ça qu'Internet n'abolit pas, c'est cette frontière et non pas cette border. Donc, il n'y a pas de border, mais il demeure des frontières. Alors, c'est quoi ces frontières ? Eh bien, c'est des frontières qui sont liées à un territoire très fortement, et je dirais de plus en plus, et je dirais même que l'avenir d'Internet est un Internet fragmenté qui dépendra encore plus à l'avenir des territoires. Mais ça peut être autre chose simplement qu'un territoire physique, comme je le disais. Ça peut être une langue, ça peut être une culture, ça peut être une communauté et tout un tas de choses qui font que vous vous intéressez à tel ou tel contenu. Donc ça peut être global d'une certaine manière, les otaku, je ne sais pas moi, les lesbiennes, les beers, je ne sais pas quel groupe, quelle communauté on pourrait citer, et qui va de manière transnationale avoir des dialogues entre elles, mais qui n'est pas global, qui est limité à ces conversations par communauté, par langue, par territoire. Aujourd'hui, nous avons 2,7 milliards à peu près de personnes connectées à Internet à travers le monde. On estime qu'en 2020, on en aura 5 milliards. Et peut-être en 2025, 7 milliards. Ce sont les prévisions, non pas des patrons du web qui seraient suspects, mais de l'IUT, c'est-à-dire l'Agence des Nations Unies. Lorsqu'on aura 5 milliards au lieu de 2,7 milliards de personnes sur le web, par définition, ceux qui vont rentrer sur le web dans les années à venir seront encore moins des gens qui parlent anglais, encore moins des gens qui sont globaux, encore moins des gens qui voyagent, etc., etc. Et donc, cette territorialisation d'Internet, cette fragmentation devrait s'accroître encore plus à l'avenir que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors maintenant, j'aimerais, après ces deux, trois exemples et puis cette présentation rapide de ma thèse, j'aimerais l'illustrer par quelques points. J'en ai retenu pour ce soir 4 ou 5 en essayant de pas être trop long. Le premier, et ça évidemment vous concerne, puisque si j'étais aujourd'hui étudiant à Audencia, ma priorité numéro un, ce serait lors d'une année de césure, pendant l'été ou juste après ma scolarité, ce serait de partir à l'étranger et éventuellement dans un pays émergent. Les internets émergents est un point qui me paraît extrêmement important. J'avais déjà travaillé sur ce sujet, je ne suis pas bien sûr le premier à parler des pays émergents, tout le monde le fait depuis des années, mais j'ai essayé d'apporter trois idées un peu nouvelles lorsqu'on parle de mondialisation et de pays émergents. La première, c'est que j'ai montré dans Mainstream que les pays émergents n'émergeaient pas simplement avec leur démographie, avec leur économie, avec leur capacité d'exister à travers le monde, mais aussi, ils émergeaient aussi avec leur culture. C'était ça la thèse centrale de Mainstream. Ensuite, dans d'autres livres, je me suis intéressé à la question des femmes, à la question des gays ou à des groupes comme ça. J'ai montré que les pays émergents émergeaient aussi avec leurs valeurs, qu'elles soient d'ailleurs les mêmes ou différentes que celles portées par les Occidentaux. Et c'était la thèse d'articles et de livres que j'ai pu faire sur ce sujet. Dans Smart, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment les pays émergents émergent avec aussi, et c'est une des conclusions du livre, avec leur Internet. Et ces internets permettent de redessiner, d'une certaine manière, la carte des pays émergents. Par exemple, on ne peut pas, lorsqu'on regarde Internet, on ne peut pas mettre dans un même sac, si on peut dire, les fameux BRICS. La Russie et la Chine sont d'un côté, avec un Internet, je dirais, autoritaire, évidemment en Chine, j'y reviendrai, mais également en Russie. Et puis, il y a d'autres pays, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, comme l'Indonésie, si on veut étendre déjà les BRICS au BRICS, et montre d'autres phénomènes, notamment des Internets très puissants, et qui ne sont pas, ou en Inde, et qui ne sont pas forcément autoritaires.
On a des grands sites comme Flipkart en Inde, Ozon et Contact en Russie, Taringa au Brésil, ou bien sûr les internets chinois sur lesquels je vais revenir, qui montrent des grandes différences entre les BRICS. Et puis, il y a surtout beaucoup d'autres pays qui sont tout aussi émergents sur Internet. Je pense bien sûr au Mexique, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai aussi du Chili, grand émergent numérique, c'est vrai de la Turquie, c'est vrai de l'Égypte, c'est vrai de pays comme le Kenya, etc. Et donc, même l'Iran, tout en étant un Internet autoritaire de type Russie et Chine, c'est un Internet très puissant. Et donc, on voit que la carte des émergents est beaucoup plus large dès lors qu'on regarde Internet. Alors il y a cet Internet et elle fait exploser d'une certaine manière la catégorie des BRICS. Alors d'une certaine manière, bien sûr, il y a l'Internet chinois. Je pourrais en parler longtemps, c'est le deuxième chapitre de ce livre parce que j'ai voulu commencer par les États-Unis, la Silicon Valley, pour ensuite regarder le contre-modèle parfait qui est la Chine. Ce contre-modèle, eh bien, c'est le Facebook chinois qui s'appelle Zhenzhen, Renren, si on veut l'écrire en langue latine. C'est Youku, le YouTube chinois. C'est les Weibo, qui sont les Twitter. Hein, en Chine, on n'a pas un Twitter, on en a quatre. Ça prouve que c'est beaucoup mieux en Chine. Les QQ, qui sont les sortes de MSN. Beidou, qui est le GPS. Meituan, qui est Groupon. Wixin, qui sont les WhatsApp. Ou encore Weigo, qui est une sorte de Django ou de Beidou, qui est l'équivalent de Google. On pourrait en parler longtemps. Je ne vais pas être très long. Puis Alibaba, bien sûr, Alibaba, ça plaira aux étudiants de commerce que vous êtes, dont le chiffre d'affaires d'Alibaba en Chine représente le même volume que Amazon, PayPal et eBay réunis en termes de volume d'affaires. Ce qui montre la puissance de groupes comme ceux-là, dont vous savez d'ailleurs qu'ils rentrent, ils vont être cotés en bourse prochainement aux États-Unis d'ailleurs. Sur l'Internet chinois, je ne veux pas être long, donc je dirais juste deux choses. Premièrement, je pense que nous avons été un peu trop obsédés par la question de la censure. C'est vrai, c'est effrayant, c'est inquiétant, c'est tout ce qu'on veut, surtout quand on sait depuis Snowden ce que les Américains sont capables de faire. Imaginons ce que les Chinois peuvent faire dans un régime totalitaire, autoritaire, où il n'y a même pas le contrôle déjà très faible aux États-Unis. Mais je pense qu'on ne peut pas comprendre l'Internet chinois si on se limite à cette censure. La réalité, c'est que s'il n'y avait que la censure, il y a longtemps qu'Internet soit ne marcherait pas, soit il n'y aurait plus de censure. En réalité, c'est que l'Internet chinois, pour la majorité des Chinois, suffit. Je dis ça avec beaucoup de prudence pour pas que vous m'accusiez de vouloir défendre la censure chinoise et ne pas soutenir les dissidents. Évidemment, les dissidents sont très mécontents. Évidemment, les entreprises internationales qui veulent sortir et dialoguer sont pas contentes. Et même les entreprises chinoises qui peuvent pas facilement dialoguer avec les entreprises étrangères. Mais pour la grande majorité des Chinois, à cause de la langue, parce que très peu parlent l'anglais, à cause des besoins dont ils ont, du e-commerce qui dépend de ce qui se passe autour de chez eux, etc., il n'y a pas une nécessité absolue à sortir de Chine. Et voilà pourquoi, me semble-t-il, l'Internet chinois arrive à être au fond fermé comme il l'est, c'est qu'il correspond à ce qu'est Internet, à savoir quelque chose de très territorialisé. On pourra en reparler tout à l'heure dans la conversation. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est celui de ce que j'ai appelé les smart cities dans le livre, mais aussi la revitalisation des villes telles qu'on peut la faire à travers Internet. Je pourrais prendre des milliers d'exemples, enfin en tout cas des centaines, mais que ce soit dans le grand froid russe, où une ville numérique est en train d'être créée à une trentaine de kilomètres de Moscou, on veut vous rassembler là l'écosystème numérique russe, que ce soit à Kansas City, qui est une ville à une centaine de kilomètres de Nairobi, où j'ai été, et pour l'instant, la ville numérique se limite à quelques zèbres et quelques girafes qui sont dans un parc qui est la savane, puisque c'est un projet top-down porté par le gouvernement, mais pour l'instant, il y a juste la plaque posée par le président le président kényan et sans pour l'instant que la ville soit créée, ou encore d'autres villes comme Porto Digital au Brésil, qui est une ville numérique dans un ancien port qui est le port de Recife au nord-est
du Brésil et où des centaines de start-up et de grandes entreprises du numérique sont rassemblées. Et puis, un autre exemple de Smart City, d'une autre nature, c'est bien sûr, vous le connaissez peut-être, ce qu'on appelle la fameuse Startup Nation, à savoir le modèle israélien de développement du numérique. Ces quatre exemples montrent à la fois des projets très autoritaires, des projets historiques basés sur une histoire, à savoir Porto Digital au Brésil, ou des projets de multiples startups, comme c'est le cas en Israël. Je ne vais pas détailler ça plus que ce que je viens de dire, mais il est clair que partout dans le monde aujourd'hui, je l'ai vu dans des dizaines de villes, les gouvernements veulent créer des smart cities ou des villes smarter, il y a plein de nuances, ou ce qu'on appelle des techno-blurbs, ou des techno-burbs, des ex-urbia, il y a plein de noms, des ex-urbs, etc., des edge cities numériques. Ce que je sais, Et mes voyages, mes enquêtes me le confirment, c'est que tout le monde veut recréer la Silicon Valley et que personne n'y arrivera. Parce que la Silicon Valley, c'est un écosystème très particulier dont l'histoire mérite d'être racontée, je le fais dans le livre, qui est très lié à, je dirais, aux hippies et aux Castro, c'est-à-dire le quartier gay de San Francisco, très lié au développement économique de la région, aux autoroutes, aux aéroports, au phénomène des exurbiens, des exurbs, c'est-à-dire ces grandes villes qui se prolongent très loin des centres-villes, et qu'est la Silicon Valley, c'est une exurbe, hein, la Silicon Valley, très clairement, mais aussi de Stanford, l'université, mais aussi des ventures capitalistes et des sites ventures capitalistes, etc. Bref, un écosystème qu'on peut vouloir recréer, mais que personne n'arrivera à recréer. Et c'est pourquoi je crois beaucoup plus aux villes qui, comme Recife, créent quelque chose qui est lié à leur histoire et qui leur est propre, ou au modèle israélien qui correspond à ce qu'est Israël, plutôt qu'aux volontés top-down, que ce soit par Poutine en Russie ou par un président mis en examen au niveau international par la Cour de justice internationale, comme au Kenya. Un autre point très intéressant et que je ne veux pas trop développer non plus, mais c'est celui de comment, à l'inverse, Internet peut être utilisé dans des villes difficiles, par exemple dans les favelas, dans les bidonvilles, dans les townships, dans les ghettos, dans les slums, pour permettre une revitalisation. Et à Rio de Janeiro, par exemple, dans les grandes favelas de la ville, il y en a, comme vous le savez, beaucoup, hein, plusieurs centaines, que ce soit à Kibera, grand ghetto, l'un des plus grands ghettos africains, que ce soit à Soweto, en Afrique du Sud, mais aussi dans les bidonvilles indiens ou aux États-Unis, dans les grands ghettos, il y a des multitudes d'expériences qui sont faites pour qu'Internet permette une revitalisation urbaine. Et si vous avez l'occasion, je ne sais pas quels sont vos projets pour l'été, mais passez du temps dans une smart city, si vous le pouvez, ou à l'inverse, dans un ghetto, ce n'est pas forcément très dangereux, hein, ça dépend comment on y va, et vous verrez comment, par tout un tas de phénomènes, que ce soit Lula au Brésil a beaucoup porté, c'est beaucoup aidé aujourd'hui en Inde, la carte d'identité numérique universelle y contribue, comment Internet peut réellement changer le monde. Une application que vous avez citée comme M-Pesa permet dans ces ghettos d'avoir de la bancarisation dans les plus grands ghettos africains et de transmettre à vos parents, à vos proches, de l'argent, alors qu'avant, il fallait donner des billets à un chauffeur de bus qui partait avec ça, traversait plusieurs villes, enfin des centaines de kilomètres en Afrique, pour que éventuellement, peut-être un jour, l'argent finisse par arriver à votre famille. Aujourd'hui, en deux clics de téléphone mobile, vous arrivez à transmettre cet argent à votre famille. Et on voit aussi une application comme M-Farm permet aux paysans africains de pouvoir connaître les tarifs des prix et des fruits et légumes pour ne pas se faire gruger sur le marché où ils vont vendre leurs produits. Une application comme Ushuaïa permet, encore une fois en Afrique, d'alerter lorsqu'il y a des mouvements de foule et d'expliquer ce qui se passe pour éviter des émeutes et aussi pour permettre une cartographie des lieux, des ghettos, là où la fameuse Google Car ne pénètre pas, puisque de toute façon, il n'y a même pas de route et il n'y a même pas de possibilité de pouvoir décrire ce qui s'y passe. J'aimerais maintenant
revenir sur deux autres points parallèles qui sont, au fond, de manière un petit peu plus, peut-être un peu moins concrète, qu'est-ce que nous, on peut faire et comment on peut articuler, une fois qu'on a dit tout ça sur la pluralité des internets, leur fragmentation, comment est-ce qu'on peut voir Internet par rapport à nos propres problèmes d'Européens et qui sont parfois aussi ceux qu'on retrouve dans d'autres pays développés. D'abord, le fait qu'Internet modifie très fortement les rapports de force à travers le monde, et le fait aussi qu'Internet va se traduire par une perte très grande de valeur, notamment pour nos produits culturels ou pour nos médias, parce que la publicité, comme vous le savez, rapporte aux géants du net et non pas forcément aux sites européens. Alors d'abord, sur ce problème central, qui est en fait une réponse à cette question de la fragmentation, parce que si la fragmentation c'est une bonne chose, si on peut protéger notre, au fond, nos langues, nos cultures grâce à Internet, parce que Internet est fragmenté, c'est évident que la menace du coup que posent les gens du net, c'est la perte de ressources que ça peut avoir pour nous. Alors d'abord, je dirais que sur cette question, qu'aux États-Unis, le problème se pose tout autant que chez nous, contrairement à ce qu'on dit partout. Lorsque le Congrès a découvert que Apple ne payait pas ou très très peu d'impôts aux États-Unis, ce fut une révélation tout aussi forte que lorsqu'on découvre nous qu'ils n'en payaient pas ou très peu en France. Parce que quand Apple, Google, Amazon ou d'autres ont leur siège social dans un système d'optimisation fiscale que vous connaissez bien aux îles Caïmans ou dans d'autres îles du Pacifique ou de l'Atlantique, il est évident qu'ils ne payent pas leurs impôts ni à Washington ni en Californie. Et que donc le manque à gagner est tout aussi vrai pour les Américains que pour nous. Donc sur ça, nous ne sommes pas en fait en guerre avec les États-Unis, nous sommes au contraire, nous avons le même problème. Autre question, celle de la vie privée, où comme vous le savez, le débat est très fort depuis l'affaire Snowden, et d'ailleurs dans les semaines à venir, elle le sera encore plus en France avec les nouvelles révélations attendues de Greenwald, le débat sur l'asile politique de Snowden et un certain nombre d'autres questions qui vont bientôt faire l'actualité. Ce qui est très central dans cette affaire, c'est cette question de la vie privée. Or, la vie privée, c'est non seulement une idée très importante en Europe, mais c'est aussi une idée très importante aux États-Unis. Le premier amendement de la Constitution américaine concerne la question de la liberté de l'information, donc faut ouvrir. Mais le quatrième concerne la privacy, c'est-à-dire la vie privée. Donc c'est tout aussi une valeur américaine qu'une valeur française, même si les géants du net s'en émancipent, si on peut dire gentiment, par un euphémisme, et c'est évidemment une question qu'il faudra qu'il soit réglée un jour par les régulateurs américains. Régulateurs qui existent. Je vais vous passer l'analyse que je fais très longue de comment ça marche la régulation d'Internet aux États-Unis. C'est une multitude d'agences, à commencer par la FCC, la Federal Communication Commission, la FTC qui s'occupe du marché, le trade, mais c'est aussi la NTIA qui dépend du département du commerce et qui a d'ailleurs la charge de l'ICANN, ICANN qui attribue les noms de domaines et un certain nombre d'éléments forts de codification de l'architecture du web. C'est aussi la Maison Blanche, c'est aussi les cours de justice jusqu'à la Cour suprême ou encore le Department of Justice et en particulier sa division antitrust. Tout ça est un écosystème très complexe de régulation d'Internet. Nous avons, nous, Européens, besoin d'avancer sur cette question. On a le problème, des géants du net qui représentent aujourd'hui de l'ordre de, pour Google par exemple, 86% de parts de marché dans l'Europe à 28. Nous avons des problèmes de données personnelles que vous connaissez, un web européen qui a été qui a eu tendance à être souvent racheté, je pense à Mythique, Skype, Nokia qui a été racheté par les Américains, je pense aux Asiatiques qui ont racheté Price Minister pour Rakuten, Alpha Direct Service, Supercell ou Play.com pour prendre quelques géants européens qui ont basculé aujourd'hui soit vers l'Asie, soit vers les États-Unis.
Donc il est important qu'on crée une politique de contenu, une politique numérique de contenu, une politique industrielle en particulier, et qu'on se soucie des géants du web. C'est vrai pour Dailymotion comme pour Deezer, c'est vrai pour Spotify, et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'un de ces jours, Deezer comme Dailymotion soit racheté par un Américain ou par des Américains. Et donc il est important que le mot de régulation, qui est aujourd'hui un gros mot à Bruxelles, ne le demeure pas, et qu'on soit capable de moderniser notre rapport à Internet au niveau européen afin de créer des géants européens et afin de les protéger lorsqu'ils existent. J'aimerais, je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps parce qu'après il faut quand même quelques questions, encore 10 minutes, ça va ? J'aimerais dire un mot sur la culture maintenant et les médias. Je l'ai évoqué ici ou là. À gros traits, vous connaissez mieux que moi, puisque vous êtes plus jeune que moi dans l'ensemble. Et dans l'ensemble, j'ai dit, madame. Et il y a une espèce de, comment dire, de évidemment... Le patron de MTV que j'avais interviewé me disait, vous savez, je lui demandais qu'est-ce qu'il comprenait d'Internet. Il me dit, vous savez, je cours derrière les jeunes et en essayant de comprendre ce qu'ils font. Et ce n'est pas facile. Et il faut courir vite. Bref, on sait tous qu'Internet devient mobile, qu'Internet, que le téléphone, la télévision, les villes, etc. deviennent smart. On sait que la télé devient sociale, que les mutations sont immenses. Mais j'aimerais me limiter peut-être à deux, trois éléments. D'abord, l'un des problèmes principaux qui se pose aujourd'hui sur Internet, c'est au fond la profusion, c'est la multiplication des contenus, c'est l'absence de hiérarchie. Et c'est bien sûr ce qui inquiète tant nos philosophes, nos théoriciens, notamment européens. Je pense à Alain Finkielkraut, je pense par exemple à Vargas Llosa, l'écrivain latin sud-américain. Je pense à Evgeny Morozov, le biélorusse. Je pense aussi à Raphaël Simone, l'italien, qui tous sont inquiets par rapport à cette profusion, cette fin des hiérarchies, cette désintermédiation qu'Internet produit. Et cette profusion, cette absence de hiérarchie propre à Internet est effectivement une question centrale, mais elle est en passe, je dirais, elle est en cours d'être pour une part solutionnée, soit par les algorithmes, soit par ce que j'appellerais la « smart curation ». Les algorithmes, c'est ceux qu'utilise Amazon, c'est ce qu'utilise Spotify, Deezer, Netflix, par exemple. Comme vous le savez, Netflix vous classe dans 79 000 catégories de goûts que vous pouvez avoir et à partir de là, détermine à l'avance ce que vous allez aimer. C'est vrai aussi de structures comme Steam pour le jeu vidéo ou encore, bien sûr, Amazon. La curation, la smart curation, qui est une idée décisive face aux algorithmes, c'est l'idée non pas simplement de faire confiance aux statistiques ou à la technique, mais de se concentrer essentiellement sur des éléments humains qui s'ajoutent aux éléments statistiques. Et donc de se nourrir l'un l'autre et de permettre une précision plus grande qui ne soit pas complètement laissée aux algorithmes et qui ne soit pas seulement humaine, comme on pourrait le dire, par exemple, d'une critique littéraire sur un site qui pourrait exister. Et de ce point de vue, ce qu'apporte Twitter ou Facebook ou les réseaux sociaux est très intéressant, puisque c'est à la fois de l'algorithme, mais c'est aussi de l'intervention humaine lorsque vous retweetez, lorsque vous likez ou tout un tas d'éléments qui font de la recommandation. Et donc, on a face à ce monde qui est sans hiérarchie, vous avez la recréation de la hiérarchie, mais par des curators qui ne sont pas juste les critiques traditionnelles de la presse, mais des multitudes de gens. Au fond, chacun d'entre nous devient curator et se met à avoir un avis qu'il transmet aux autres. Deuxième élément d'évolution sur la culture et les médias, c'est bien sûr la fin des produits culturels et leur transformation en services, en flux, en ce qu'on appelle en content et éventuellement en streams, c'est-à-dire au fond la naissance peu à peu d'une culture non plus d'accumulation
Et c'est bien ça ce qui effraie Alain Finkielkraut ou les intellectuels français traditionnels qui avaient été habitués à avoir leur bibliothèque et leur disque vinyle, et on leur dit tout à coup, ah non, non, c'est plus ça la culture, c'est un abonnement illimité sur le cloud en streaming. Vous imaginez bien leur inquiétude. Eh bien, en fait, cette évolution est déjà très avancée, que ce soit à nouveau Spotify, Deezer ou Netflix pour ce qui concerne la musique ou le cinéma, que ce soit Steam pour le jeu vidéo, mais même pour le livre avec Amazon Prime ou Scrib, par exemple, qui vous permettent des abonnements illimités à un certain nombre de livres. Et là, on voit bien l'avenir qui se dessine d'un modèle culturel profondément altéré par rapport à ce qu'il était auparavant. Troisième et dernier élément concernant les médias et la culture, c'est tout ce que j'appellerais le the long click. Ce n'est pas de moi d'ailleurs que vient cette expression. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez pour accéder à un contenu quel qu'il soit, votre action ne se limite pas à ce clic, mais à un long clic, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à ces moteurs de recherche, à ces algorithmes, de conserver vos données et de savoir ce que vous avez aimé. Et on a là, bien sûr, tout le problème, au fond, c'est la face sombre, je dirais, de la personnalisation et de la recommandation, à savoir les outils comme The Long Click, qui vont, enfin, comme ces outils, ces algorithmes, ces systèmes, qui vont garder un certain nombre d'informations sur vous et permettre à ces sites ou à ces abonnements de conserver des traces, une mémoire de vos pratiques et aujourd'hui, effectivement, de savoir beaucoup plus de choses sur vous, même que la NSA. Et c'est d'ailleurs pour moi un des problèmes principaux. C'est très ennuyeux, la NSA, mais je dirais que Google, c'est au fond encore plus ennuyeux que la NSA parce que ça peut déboucher sur non seulement des connaissances plus poussées encore, plus privées, mais surtout sur de la commercialisation, sur de l'information économique, etc., etc. Donc on est aujourd'hui dans une offre qui est très multipliée et qui est extrêmement, qui a une accélération, la sérendipité, la vélocité d'Internet, et donc nécessite cette curation qui va permettre de hiérarchiser les contenus. Alors pour conclure rapidement, avant d'avoir quelques questions, si vous voulez, je dirais que au fond, j'ai opposé un peu succinctement aujourd'hui, c'est toute ma thèse, deux visions pour en proposer une troisième. La première vision, c'est celle dans laquelle on vit, qui est celle des patrons de Google et des géants du net. Au fond, pour eux, le digital et le global sont synonymes, les frontières sont dépassées, on entre dans un monde ouvert, dans un monde connecté. Et ils croient, et d'ailleurs pourquoi pas, à la liberté, aux grands espaces, à la vitesse, à la disparition justement des frontières, ou alors à cette frontière qui va éternellement grandir, métaphore de l'Amérique. Ces géants du net qui préfèrent, je l'ai dit, le premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression, le free speech, plutôt que le quatrième sur la privacy. Ce qui annonce la fin de la géographie, au fond, l'accélération de l'information, la vacuité des régulations étatiques qui, pour eux, inhibent l'innovation, l'homogénéisation des cultures qui deviennent mainstream et des individus privés de leurs racines, de leur identité, de leurs attaches. Cette vision, vous l'avez compris, n'est pas la mienne. Une deuxième vision est celle des critiques, je dirais, d'Internet. Et j'ai cité Mario Vargas Llosa, j'ai cité Raffaele Simone, Evgeny Morozov et d'autres. Pour eux, au fond, l'identité, les langues, la culture seraient menacées par Internet. On ne pourrait se protéger qu'en restaurant, hein, c'est au fond des conservateurs, avec une volonté de restauration qui nécessite de se refermer sur des frontières, sur notre hiérarchie culturelle. Et effectivement, ils sont effrayés par le futur de la culture qui serait un service sur réseau social, sur le mobile, sur le cloud. Cette perspective les effraye, ce qui est sans doute compréhensible. Car en effet, Internet est anxiogène. En effet, Internet peut susciter des peurs légitimes, compréhensibles.
En même temps, je ne suis pas non plus d'accord avec cette vision parce qu'elle est au fond le pendant négatif de la vision des géants du net. Et c'est d'ailleurs une vision qui est aujourd'hui très fréquente à l'extrême gauche en France, à l'extrême droite. Et vous verrez dans les jours qui viennent cette campagne des élections européennes qui se réveillent peu à peu, et vous verrez ces discours-là poindre au fond, que ce soit contre le traité avec l'Amérique du Nord, dont je ne dis pas qu'il est parfait pour l'Union européenne, mais qu'il est caricaturé d'une manière qui est parfois inquiétante par les extrémistes, quels qu'ils soient, et les populistes. Ou vous le verrez aussi à travers des tribunes, et on peut voir dans Le Point, l'Express, combien la peur de cette mondialisation digitale, puisque le digital s'ajoute à la mondialisation classique et s'agrège à elle, combien ça fait peur. Pour le dire en conclusion, après ces deux visions-là, ma propre vision est à l'opposé de ces deux-là. Je crois qu'il faut être ni techno-sceptique, hein, cyber-sceptique, ni cyber-utopiste, c'est-à-dire cyber-BA, ni patron géant du net, ni anti-web. Pour moi, la révolution numérique ne se traduit pas, du moins pas principalement, par une globalisation tous azimuts. Ou plus précisément, la globalisation, c'est essentiellement une multiplication de dialogues, de conversations qui restent régionales, territoriales, nationales, locales. Cet Internet reste très local, très fragmenté. Je l'ai dit, les contenus sur Internet ne voyagent pas aussi facilement que ce que l'on croit. Il y a bien sûr un petit pourcentage de contenus globaux. Vous pourrez m'opposer la vidéo Nyan Nyan Style, la dernière trouvaille de Beyoncé, le dernier album de Michael Jackson qui est sorti il y a 2-3 jours, Bring Back Our Girls, ou je ne sais pas, le phénomène des annonceurs d'alerte qui sont tout ça des phénomènes globaux. Il en est de même pour certains contenus musicaux, cinéma, les jeux vidéo, etc. Mais quand on y regarde bien, ces contenus consommés massivement à travers le monde, je ne parle pas de vous, de moi, qui peut-être voyageons plus et parlons anglais plus ou moins et sommes internationalisés, mais pour la grande majorité des gens, la part des contenus consommés, cette part globale est extrêmement limitée et c'est encore plus vrai dans des pays comme l'Inde, la Chine, ou le Brésil. En Inde, j'étais frappé parce que tout le monde était parlé avec les États-Unis. Alors je me suis dit, eux, ils sont très très globalisés. Et puis en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques heures, en regardant avec qui ils parlaient, qu'ils ne parlaient qu'à des Indiens. Certes, des Indiens qui vivaient aux États-Unis, les fameux NRI, les Non-Resident Indians, mais ils ne parlaient à aucun Américain. Et aujourd'hui, la page Facebook d'un gamin blanc qui vit dans le Tennessee n'aura aucun ami noir, aucun Italien, aucun russe, ni aucun africain. La page Facebook de ces jeunes sera essentiellement avec leurs amis. Donc, on reste dans une forme de communauté, au sens américain du terme, une culture, un groupe ethnique, une minorité, une religion, ou encore un village, un quartier, le quartier d'une ville. Ces conversations s'inscrivent sur Internet dans des sphères culturelles précises, délimitées, fragmentées, et ne sont, selon moi, qu'exceptionnellement globales. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je parle de ces sphères conversationnelles sur Internet. Du coup, Internet peut redonner du pouvoir aux individus, dans les favelas, je l'ai dit, dans les smart cities, lorsqu'elles fonctionnent, au lieu de les en priver. Et je dirais que, parce qu'il y a autant d'usages d'Internet que de territoires, nous entrons dans ce monde connecté, certes, globalisé, certes, mais avant tout territorialisé et fragmenté. Et c'est pourquoi, d'une phrase, je dirais pour conclure, face à l'optimisme béat ou face aux inquiétudes très fortes qui existent aujourd'hui, notamment en Europe, contre Internet, je dirais qu'Internet est d'abord et avant tout un outil qui est ni bon ni mauvais en soi, mais qui va dépendre essentiellement de ce que vous, moi, nous collectivement, seront capables d'en faire. Je vous remercie.
Alors merci Frédéric Martel. Donc on l'aura bien compris, finalement ce qui voyage ce sont plutôt les outils technologiques et les logiciels, les algorithmes, mais finalement pas les pratiques ni les cultures. Alors dans ce paysage un peu universel, j'aimerais ajouter un point qui me paraît essentiel. Vous l'avez un peu précisé en introduction de votre livre, mais c'est vrai que le livre est un grand voyage à travers les différentes pratiques de l'Internet, mais il y a une conclusion dans laquelle vous vous engagez, une conclusion qui est prospective, et il y a un point que vous n'avez pas évoqué, qui moi me semble tout à fait intéressant. Enfin, vous l'avez esquissé à travers cette question de la régulation, en disant finalement aujourd'hui, et c'est très présent d'ailleurs dans votre livre, vous dites il y a les fameux... Comment vous les appelez, les GAFA, c'est ça, Google, Apple. C'est pas moi, c'est un terme souvent utilisé. Ouais. Ouais. Les fameux GAFA, qui donc Google, Apple, Facebook et Amazon, qui dominent d'une certaine manière le monde, enfin en tout cas de manière technologique. Et dans l'ouvrage, vous nous dites, il faudrait arriver à réguler cet environnement, et deux, à aussi finalement à rediriger une partie des ressources économiques qui sont drainées par ces grands géants de l'Internet. Et c'est effectivement un des aspects essentiels de votre conclusion, et qui sont la question de la répartition. Oui, de la justice, tout simplement. Hein. Si vous voulez, moi je suis, ça a été dit, donc j'appartiens historiquement à une famille de gauche d'ailleurs très modérée, hein, quoi qu'on en dise, mais je crois profondément que, comment dire, et c'est une idée américaine, c'est pas simplement une idée française, c'est Roosevelt, c'est l'idée que l'économie de marché est bonne, on n'est pas là pour la freiner, ni même pour la détruire. Ça, c'est une gauche dans laquelle on ne se reconnaît pas depuis longtemps. Hein. En même temps, pour que cette économie de marché fonctionne, il faut aussi des formes de régulation. Alors, ces formes de régulation, elles sont extrêmement, évidemment, complexes à mettre en place dans le cadre, et précisément, Internet est une révolution de ce point de vue, dans un cadre qui est global. Mais, si vous voulez, quand la FCC, la FTC, le Department of Justice détruisent, parce que quasiment c'est ce qu'ils font, Microsoft dans les années 90 pour abus de position dominante, mais c'est les Américains qui le font. C'est pas Chavez, c'est pas Mélenchon. C'est les Américains qui le font parce qu'ils pensent qu'à un moment donné, il faut empêcher Microsoft. Vous savez, c'est l'histoire des logiciels qui sont obligatoirement installés, qu'on ne peut pas enlever, enfin, toutes ces affaires-là. Et parce qu'on va faire ça, parce que le gouvernement américain, notamment le Department of Justice, l'Antitrust Division, va sanctionner Microsoft, Google va naître. Et aujourd'hui, pour que d'autres innovations aient lieu, il faut sans doute aussi limiter Google et Amazon, etc. Et je dirais que c'est ce que fait aujourd'hui le législateur américain. Par exemple, tout récemment, la Cour suprême a validé le fait qu'on allait réinstaller ce qu'on appelle les sales taxes aux États-Unis, qui est une sorte de TVA un peu différente de la nôtre, mais qui, par définition, échappait à Amazon, puisque la sales tax, elle était plus collectée par les États. Mais la Cour suprême a validé le fait que les États pourraient désormais refaire payer la sales tax au site de e-commerce, y compris en tenant compte du lieu de destination des produits, et non pas si le siège d'Amazon est en l'occurrence il est dans l'état de Washington, mais si vous achetez un produit dans un autre état, eh bien vous pourrez faire payer la sale taxe dans l'état où le consommateur fera sa commande. Et donc ces idées sont indispensables pour la suite. Merci. Alors, avant de passer aux questions de la salle, donc je vais vous soumettre à deux étudiants de la Geek Generation. Après la Beat Generation, on avait la Geek Generation. Et donc, Julien et Bruno. Oui, je vais rebondir directement sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé des lois dans les pays, aux États-Unis, dans ce cas. Il y en a aussi en France, des lois qui essaient de contrôler cet Internet. Il y a peut-être une question qui peut se poser. Alors, du coup, sur l'utilisation de l'Internet et des législations, quel est le pouvoir des États sur l'Internet? Et est-ce que les États doivent avoir un pouvoir sur Internet et dès lors bloquer un peu cette mondialisation d'Internet? La geek génération, elle n'est pas en cravate, hein, en principe. Donc, c'est vrai, c'est vrai. On a fait un effort.
Voilà, c'est un mélange. Alors la beat génération encore moins, donc c'est autre chose. Je dirais que aujourd'hui, j'étais à la. Je raconte cette anecdote dans le livre parce que c'est pas un livre d'anecdotes. Hein, je veux pas. Je pense que la pensée par anecdote, c'est pas non plus une bonne chose. Mais parfois, ça dit des choses. J'étais à la Maison Blanche avec des conseillers d'Obama. Il y en a plein de conseillers d'Obama. Ils sont très pénibles, c'est très difficile d'accès. Enfin, peu importe, vous y arrivez après avoir été reniflé par des chiens policiers et tout ça. Bref. Et parmi les choses, tout à coup, on parle de ce qu'on appelle la balkanisation d'Internet. Et le conseiller d'Obama me dit, Franco, je suis payé ici pour qu'il n'y ait pas de balkanisation d'Internet. C'est quoi la balkanisation d'Internet ? C'est au fond l'idée que justement, chaque État va reprendre la main sur, au fond, sa souveraineté et reconstruire de la souveraineté nationale sur Internet. Alors c'est un débat extrêmement intéressant, c'est le débat à venir. D'ailleurs ce terme de balkanisation d'Internet va être de plus en plus fréquent, vous le verrez dans les mois à venir. C'est pour ça d'ailleurs que moi je parle de fragmentation, parce que ce n'est pas un terme négatif comme balkanisation, hein. Ce serait la guerre du Liban si vous voulez, mais un terme positif, c'est fragmenté puisque c'est territorialisé, lié à nouveau des cultures, des langues, etc. Et là c'est un problème très complexe parce que nous autres Européens, il faut qu'on fasse attention. À la fois, on est contre les Américains lorsqu'il s'agit des géants du net, mais en même temps, on ne veut peut-être pas coller aux principaux ennemis, entre guillemets, de ces Américains et qui sont pour la balkanisation d'Internet, à savoir l'Iran, la Syrie, la Chine, Cuba, le Venezuela, etc., qui veulent effectivement que tous les contenus soient gérés dans une souveraineté nationale, censurés comme ils le souhaitent, avec des lois qui leur sont propres, en empêchant, au fond, la globalité d'Internet. Et c'est pour ça que mon discours est assez, enfin, j'espère, subtil, pour à la fois rejeter la vision globale qui est celle des géants du net, mais en même temps, ne pas défendre cette re-souverainisation, si le mot existe, pour redonner, au fond, le pouvoir aux États. Et tout le débat se porte évidemment sur l'architecture du web, avec ce débat entre l'ICANN et l'ITU, l'IUT, vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire entre l'ICANN, qui est l'association de droit américain qui dépend du département de commerce et qui attribue les noms de domaine et une partie des codes de l'architecture du web, je l'ai dit, et d'autre part l'Agence internationale des télécommunications aux Nations Unies, qui est d'ailleurs la plus vieille agence des Nations Unies, et qui fonctionne un peu comme l'UNESCO ou comme la FIFA, c'est-à-dire que tout le monde a une voix, et du coup on est sûr d'aller dans le mur, à savoir un Internet censuré, l'incapacité de décider quoi que ce soit, et sans doute la fin d'un Internet global, et pour le coup une vraie balkanisation d'Internet. Donc je pense qu'on a là les deux limites, si je réponds bien à votre question, les deux limites de ce débat. Et moi, j'essaie de me situer entre les deux. Je pense qu'on va devoir avoir plus, je dirais, de souveraineté d'une certaine manière quand même sur Internet, parce que c'est trop important pour que ce soit que chaque pays du monde dépende des lois américaines. C'est juste pas possible. En même temps, il ne faut pas basculer dans une balkanisation d'Internet. Et donc, il est important de garder une souplesse entre le global, le territoire, entre, je dirais, ces formes de fragmentation et quand même des possibilités de dialogue global qui sont l'enjeu essentiel des années à venir. Alors merci. Alors Monsieur Martel, vous nous dites Internet est davantage territorialisé que global. Vous nous dites que les outils sont globaux, mais que les conversations sont locales. Alors et effectivement, on utilise partout dans le monde de plus en plus les mêmes outils pour tous les actes de nos vies, en particulier pour créer, pour communiquer, pour échanger, pour organiser sa vie personnelle, ses études ou encore son travail. Je pense notamment à des logiciels comme Word ou comme Photoshop que Internet permet dont Internet favorise la diffusion. Qu'elle soit légale ou illégale, aux réseaux sociaux, premier rang desquels Facebook, aux services comme ceux de Google ou encore à Asana, un outil de collaboration. Alors, ces outils fonctionnent tous, donc ces outils sont utilisés partout de la même manière, ils ont des usages qui peuvent être spécifiques, mais globalement, on les utilise partout de la même manière, et si bien que partout dans le monde, pour arriver à une fin donnée, on procède de la même manière. D'où ma question, ne pensez-vous pas qu'Internet nous oriente vers une sorte d'uniformisation des modes de pensée ? Bah, écoutez, tout ce que j'ai dit ce soir, peut-être insuffisamment bien, me permet de répondre
par la négative. C'est-à-dire que je pense que, et c'était d'ailleurs la thèse principale de mon livre Mainstream auparavant, qui malgré son titre, qui était un peu faux, mais bon, parfois on fait un titre parce que, enfin, je pense que l'idée était bonne, mais puis parce que en Canada ils aimaient pas ça du tout, ils me disaient vous auriez dû l'appeler courant dominant. J'aurais dit, oh non, on va pas appeler un titre courant, un livre courant dominant, parce qu'ils aimaient pas le mot anglais, bien sûr. Là, je sais pas ce qu'ils vont me dire sur Smart, ils vont être très mécontents aussi, sans doute. Peut-être qu'ils voulaient, je ne sais pas, habile, l'habileté, l'agilité, agile. Bref, je crois vraiment que cette peur légitime, encore une fois, cette anxiété légitime sur l'uniformisation que le web engendre est essentiellement portée par des gens qui ne connaissent pas le web. Et toute la critique que j'ai faite à Alain Finkielkraut, bon, qui par ailleurs est un ami, c'est beaucoup dire, mais en tout cas... au moins un collègue. Voilà, on travaillait ensemble à France Culture. J'avais l'émission avant lui, pendant, ça fait 8 ans, etc. Bon, et puis je le connais depuis très longtemps. On a partagé d'ailleurs quelques combats, et c'est quelqu'un que je respecte et que j'aime beaucoup. Mais il n'a pas de téléphone portable, il n'a pas d'email et il ne va pas sur Internet. Donc voilà, c'est bien de critiquer, d'en avoir peur, mais peut-être faudrait-il commencer par... c'est quand même dire ce qu'est la France aussi. Enfin, je cite aussi, sans donner son nom, parce que je suis un garçon gentil, comme chacun sait, et généreux, affectueux. Mais bref, j'ai rencontré, je pourrais vous le présenter, vous viendrez me voir à la fin, je vous donnerai ses contacts, et si vous voulez un stage, je vous aiderai. Le patron, l'un des plus gros patrons du cinéma français, enfin, vraiment le type essentiel dans le cinéma français. Et alors en plus, je pipote pas là, hein, ça s'est fait à la radio en plus, si vous voulez, je l'ai interviewé en direct, donc il y a même des traces de ça. Et je lui parle d'Internet et il me répond, vous savez, je ne vais jamais sur Internet. Le type, c'est le plus important patron du cinéma français, ou un des deux, trois plus importants, et il a un mépris pour Internet alors que tout va dépendre d'Internet à l'avenir. Il est hors jeu. Alors après, se rendant compte devant l'éclat de rire général de mes chroniqueurs après cette formule un peu exagérée, il s'est repris en disant « je voulais dire, je ne vais jamais avec plaisir sur Internet ». Je pense qu'on a là un résumé saisissant aussi de ce qu'est la France, pas que la France, mais on est en France, donc autant le dire. Et ces livres, et j'ai apprécié parce que, autant j'aime pas trop les compliments un peu faciles qu'on peut faire des fois, autant c'était très subtil ce que vous disiez. C'est vrai que, bon, sans en avoir l'air, tout en étant gentil et de gauche et tout ce que vous voulez, bah, j'ai dynamité quand même tout ce qu'on dit sur la politique culturelle française avec de la culture en Amérique, hein. Il ne restait rien du discours français après ça, même si pour le reste, je défends le ministère de la Culture et le modèle français par plein de ses aspects. Et c'est vrai qu'avec Mainstream, mon objectif, c'était quand même d'expliquer que bon, cette culture de masse qu'on déteste et qu'on aime détester, en réalité, elle est d'abord très bonne, on l'aime, que les intellos l'aiment, que les séries télévisées, c'est très bien, c'est créatif, et qu'en réalité, tout ça est beaucoup plus sophistiqué que ce que les critiques en disent, et c'est ça la thèse principale de Mainstream. Et quant à Smart, ben c'est quand même une réponse contre, pardonnez-moi de le dire, mais ces déclinologues qui envahissent les colonnes des journaux et les talk shows de télévision, à longueur d'année, qu'ils soient à l'extrême droite, qu'ils soient à l'extrême gauche, ou qu'ils soient des intellos sans affiliation, mais qui sont là d'abord et avant tout pour nous mener dans le déclin, alors que je pense qu'à un moment, il faut répondre sur ce qu'est réellement la mondialisation, sur ce qu'est vraiment Internet. Il y a des problèmes, il y a des risques, mais c'est certainement pas en s'enfermant et en les rejetant qu'on va améliorer ce qui se passe dans notre pays. C'est en regardant les problèmes, en analysant les capacités qu'on a à pouvoir agir sur eux et en embrassant à pleine bouche, j'oserais dire, la mondialisation et le numérique, qu'on va pouvoir faire que ce pays aille mieux. En tout cas, c'est ce que je pense. Bah alors, encore une fois, je rebondis sur ce que vous dites, tant mieux. Vous parlez de la France, parlons de la langue française. Vous défendez une sorte d'utilisation de l'anglais dans la langue française pour s'adapter justement à cette culture de masse, justement à cette mondialisation d'Internet. Allez, absolument pas. Ah bon ? Parce que moi j'allais vous dire, choisissez entre langue française et langue culture. Non, je n'ai jamais défendu ça. Il se trouve que j'ai fait un jour un papier à demande de François-Olivier Gisbert dans Le Point et qui quasiment fait la une et quatre pages. Et puis, comme toujours dans ces cas-là, ils vous mettent des titres un peu excessifs. Donc, il y avait un sous-titre à un moment qui n'était pas du tout dans mon texte où
où quasiment il fallait qu'on se mette à parler anglais partout en France, ce qui est une absurdité évidemment de tout premier plan. J'ai jamais pensé ça une seule seconde. Non, ce que je dis, si vous voulez, je pense que c'est pas ici que j'aurai trop de contradictions, ça serait dans d'autres cercles. Mais si vous voulez, moi, quand on m'interdit à Radio France, enfin, parce qu'on avait une lettre, une consigne du CSA qui nous interdisait de dire hashtag, par exemple, à propos de Twitter ou des choses comme ça, il fallait dire mot dièse ou je sais plus ce qu'ils avaient inventé, et qu'on a ce genre de choses toute l'année, vous savez, à la place de buzz, il faut dire... C'était quoi le mot pour buzz? C'était le fameux brouhaha ou je sais pas trop quoi, un truc comme ça. Ouais, bref. Exactement ça. Pardon? Brouhaha, exactement non, ça. Non, il y en avait un autre, c'est autre chose, mais ça va me revenir. Non, simplement, bon, moi d'abord, je parle en français, je fais des livres en français, j'ai fait une émission depuis 8 ans en France Culture, j'ai fait une thèse, enfin voilà, je suis pas contre mon pays, encore moins contre sa langue. Mais après, il y a un moment, il y a des mots qui existent, qui sont des mots anglais, on va pas, enfin, s'il y en a des équivalents qui sont bien, comme ordinateur, où il y a plein de mots qu'on a su créer, c'est parfait. Après, on va pas, enfin, on n'est pas québécois quand même, hein, voilà. Et on va pas, être obsédé par ça parce qu'il n'y a aucune menace de l'anglais en France. Je pense que la menace, c'est de ne pas parler anglais. Parce que je pense que l'anglais, c'est une langue vivante, c'est une langue étrangère, ça ne sera rien d'autre en France et ça ne changera pas. Par contre, si on veut être un peu ouvert au monde, il faut parler d'autres langues. Alors, on peut parler l'espagnol, c'est très bien, je parle un peu. On peut parler d'autres, le chinois, l'arabe. L'anglais, c'est quand même... Enfin, ce livre, il est fait dans 50 pays où, à part un peu au Japon et en Chine, où j'ai besoin d'un traducteur, pratiquement nulle part, j'en ai eu besoin, puisque où je baragouine les langues locales, ou sinon le roumain, l'espagnol, etc. Ou sinon, bon, j'ai quelques... scouts qui m'aident parfois, qui sont des traducteurs un peu sympas, ou sinon en anglais. Donc voilà, c'est une réalité. C'est pas un postulat. C'est pas de dire il faut parler anglais parce que pour détruire la langue française. C'est juste que il y a un moment dans ce livre, il y a beaucoup de mots anglais. J'ai dû me battre avec le correcteur qui voulait me les transformer ou me les barrer. Je les ai fait laisser. C'est vrai qu'il s'appelle Smart Mainstream. C'était mon livre d'avant. Mais bon, c'est pas un problème. Je crois pas que en Allemagne ou en Israël, où les gens parlent bien mieux anglais que nous, ni l'hébreu ni l'allemand ne soient une seule seconde menacés. Voilà. C'est là encore, à mon avis, un faux débat. Et c'est un débat qui nous ramène vers la fermeture, le déclin et l'incapacité de s'ouvrir au monde. Alors, Bruno, maintenant, je voudrais vous interroger sur un domaine qui nous intéresse tout particulièrement ici, à Audencia, c'est celui de l'enseignement et l'éducation. Quel avenir pour l'enseignement et l'éducation à l'heure d'Internet et au moment où émergent des plateformes, les plateformes que sont les MOOC, sur lesquelles on peut accéder gratuitement à des catalogues de cours dispensés par les professeurs des plus grandes universités mondiales, à savoir ceux d'Harvard par exemple, mais on en trouve dans tous les continents. Donc selon vous, l'avenir de l'éducation, de l'enseignement est-il global, mondialisé? Bah encore une fois, si j'évoque longuement dans ce livre la question des MOOCs, mais plus globalement celle des la Khan Academy, tous ces phénomènes-là, Django, des sites comme ça, c'est parce que, d'abord, je crois que quand ils réussissent, c'est d'ailleurs une règle, tous les sites américains qui ont marché, c'est parce qu'ils s'étaient localisés. Ils sont géolocalisés de plus en plus, c'est vraiment le mot d'ailleurs. Le mot, j'aurais dû le dire plus tôt, il y a une forme de géolocalisation d'Internet qui est une autre tendance très forte, à mon avis, de ce qui se passe. Et si vous voulez, le succès de Wikipédia, ça vient du fait qu'ils existent dans, je ne sais plus, je crois, c'est 150, 200 langues, ce qui est incroyable, et parfois même d'ailleurs de langues qui... Vous savez, Wikipédia, on peut ne pas défendre sur certains aspects, mais grâce au dictionnaire, hein, Wikidictionnaire, je ne sais plus comment il s'appelle, les Wikidictionnaires, non, comment c'est son nom, leur nom, offre des dictionnaires à des pays où il n'y a jamais eu de dictionnaire. Il y a des langues qui n'ont pas de dictionnaire et qui existent aujourd'hui grâce à Wikipédia. Alors, je sais bien les critiques qu'Alain Finkielkraut et quelques autres font de Wikipédia parce qu'évidemment c'est faux ou parce qu'évidemment on trouve une erreur et on connaît ce débat. Mais enfin, voyager un tout petit peu en Inde, voyager au Brésil, voyager en Afrique, voyager, vous vous rendrez compte que vous donnez accès à des milliards d'individus de connaissances et d'informations qu'ils ne pouvaient juste pas avoir jusqu'à présent. C'est bien de leur dire, vous avez l'encyclopédie universalis et ça sera plus sûr. D'abord, ce n'est pas vrai. Ensuite, il y a beaucoup moins d'informations aujourd'hui. Mais enfin,
ils ne pouvaient tout simplement pas se la procurer. Donc là encore, il faut relativiser un petit peu les... Alors, je ne dis pas que tout est bien, je pense qu'il y a des vrais problèmes sur Internet, y compris sur Wikipédia, mais là encore, pour prendre une expression fameuse, vous étiez trop jeune pour la connaître, et moi aussi d'ailleurs, mais le fameux « globalement positif » de Georges Marchais, bah, en l'occurrence, c'est quand même du « globalement positif ». Alors après, cela étant, c'est évident qu'on est... Moi, je pense, et pour le coup, là, je suis d'accord avec les patrons du web, notamment le patron de Google, qu'on est juste dans les starting blocks de la révolution numérique, qu'on est juste au début. Et que, et c'est d'ailleurs formidable que ce soit vous et nous, tous les gens qui sont ici, auront eu cette histoire incroyable d'être nés dans un monde qui n'était pas encore totalement numérique et de vivre cette mutation. Une mutation absolument indéterminante et extraordinaire qui va changer non seulement nos vies, mais le monde. Alors, ça pose des problèmes. Il est évident que les MOOCs, c'est bien. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que ça ne l'est pas? Bon, il y a, vous savez, tout un tas de débats aux États-Unis. D'abord, parce que les MOOCs, on a des chiffres désormais qui montrent qu'il y en a grosso modo 50% qui ouvrent le premier cours et 5% qui finissent tout le cours. Donc déjà, c'est un peu moins bon que ce qu'on pensait. Mais ça changera, on verra la suite. Ensuite, il y a la fameuse flip class. Vous savez, c'est ce concept qui est de dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas ici, je ne vais pas vous dénoncer, je ne vais pas moucharder, mais il se trouve que j'enseigne à HEC, j'enseigne à Sciences Po Paris, et il y a des exposés parfois, des cours comme ça. Et donc moi, je me mets au fond de la classe pour quand c'est ou l'autre prof ou un étudiant qui parle, et j'observe les étudiants, et ils sont tous ou sur Facebook ou sur un site, enfin bref, ils écoutent d'une oreille un peu... Alors, évidemment, ils sont beaucoup moins bons dans ces écoles qu'à Audencia, vous ne faites pas ça, mais il est clair que le cours magistral donné de manière un peu classique et traditionnelle, où tout le monde écoute, etc., c'est fini. Est-ce que le MOOC, ce n'est pas la solution pour ça? Et qu'en revanche, garder en amphi la conversation, l'échange, le dialogue, l'interaction, etc. Bon, c'est ça qu'on appelle la flip class et tous ces trucs-là, tous ces concepts. Bon, on est au début de cette révolution. Et là encore, c'est formidable. Mais je pense qu'à nouveau, on a beaucoup de choses, beaucoup de risques. Il y a des menaces, mais il y a surtout des opportunités. Anglicisme très critiquable, m'a-t-on dit, mais je l'ai quand même laissé dans mon livre. La correctrice, elle a enlevé opportunité tout le temps. Bon, pourtant, ça s'est beaucoup francisé. Bref, il y a des opportunités et je crois qu'il faut les saisir. Merci. Donc, je vous propose qu'on passe aux questions de la salle. Donc, il y a des micros en haut de chaque travée. Donc, il suffit de lever la main pour se voir tendre un micro. N'ayez pas peur. Soyez gentils, sinon vos camarades vont devoir poser d'autres questions. Ah, monsieur à droite. Oui, bonsoir. J'avais une question par rapport à l'accord de libre-échange qui est en train de se discuter entre l'Europe et les États-Unis. Et je voulais savoir si l'industrie d'Internet était comprise dans l'accord. J'imagine que oui. Et le fait qu'il puisse y avoir des juridictions supranationales demain... La possibilité pour des grosses sociétés européennes, mais aussi américaines, et peut-être d'Internet, de pouvoir mener des actions en justice contre les États. Est-ce que c'est rassurant, selon vous, ou au contraire, est-ce que ça va dans le sens que vous craignez? Alors d'abord, effectivement, le numérique est concerné, même si vous avez suivi le débat sur la culture, même si la France a dit qu'elle mettrait son veto si les questions culturelles étaient concernées, ce qui est un peu complexe, parce que c'est quoi les questions culturelles s'il n'y a pas le numérique? C'est pas tellement possible d'extraire la culture, mais pas le numérique, et si on extrait le numérique, on extrait énormément de choses, et donc il n'y a plus d'accord. Alors, bon, moi, je ne suis pas un expert de cet accord, même si je l'ai suivi un petit peu. J'étais aussi dans quelques négociations qui ont eu lieu à Paris récemment, à Chaillot, avec 24, je ne sais plus comment ils étaient, ministres de la culture européens pour discuter de ces questions. Ce qui me semble... Bon, d'abord, vous savez, cet accord, il est très contesté, non pas simplement par José Bové, les Verts et l'extrême droite en France, mais aussi aux États-Unis par le Congrès, notamment par les Républicains et d'autres. Donc, je pense qu'on n'est pas au début de... Enfin, la signature ne va pas être rapide.
Deuxièmement, il y a de l'opacité dans cet accord qui est très ennuyeuse. Bon, et on nous dit que c'est normal que ce soit opaque parce que il faut que enfin, on ne peut pas discuter au grand jour de tout ça. Bon, soit. En même temps, pour, dans le versant positif de l'accord, enfin, moi, je suis, je l'ai dit, hein, je suis un grand défenseur de l'économie de marché. J'ai aucun doute sur ça, contrairement à beaucoup de gens à gauche. Et je pense que, vu l'état dans lequel est l'Europe aujourd'hui, l'Europe 28, les difficultés qu'on a pour développer notre économie, nos économies, tout ce qui va permettre d'accroître les échanges est une bonne chose. Alors après, encore une fois, il faut qu'il y ait des régulations, et c'est pourquoi, effectivement, il faut... Mais bon, moi, je pars pas dans l'idée, si vous voulez, que la première intention du Parlement européen, la première intention du Conseil européen, la première intention de la Commission européenne, ce soit de nuire à l'Europe pour aider les États-Unis. Je pense que s'ils sont engagés dans ce processus, après on verra, mais je pense qu'ils travaillent pour nous. Alors peut-être qu'ils ont tort, peut-être qu'ils vont se planter, mais l'idée de contester dès le départ l'idée du libre-échange, c'est d'abord pas seulement parce que ça a lieu avec les États-Unis, c'est parce que ces critiques sont faites par l'extrême droite ou par l'extrême gauche et par quelques autres qui sont fondamentalement contre l'économie de marché. Et donc, à ce moment-là, moi, je ne suis pas, si vous voulez, hostile. Enfin, on a quand même vu, quoi qu'on en pense, que l'économie de marché et la mondialisation, c'est peut-être pas fameux partout, et parfois, ça pose des problèmes à la France. Enfin, voyagez un petit peu dans le monde, et vous verrez que c'est quand même, c'est en train de changer la face du monde dans beaucoup d'endroits positivement, même s'il y a beaucoup de choses critiquables, encore une fois. Mais c'est là où l'économie de marché doit être ensuite régulée. Et encore une fois, je suis un grand Rooseveltien. J'ai fait ma thèse sur l'histoire des États-Unis et notamment de Roosevelt à aujourd'hui. Et j'ai lu avec passion, peut-être un peu trop d'ailleurs, la biographie de Roosevelt ou même de Johnson, qui est un président très oublié et souvent critiqué, mais qui, sur certains registres, a été un grand président américain. Notamment sur la question des Noirs, sur la question de la culture, sur la question de la régulation économique, justement. Et je pense qu'on peut être, pro-économie de marché tout en étant pour des régulations. Et elles sont indispensables dans ces accords internationaux. Oui, alors juste peut-être par rapport à ces juridictions supranationales, est-ce que vous pensez que ça va aller dans le sens de plus de régulation ou au contraire dans le sens de moins de régulation? Bah, d'abord, on ne sait pas ce que ça va être. Enfin, vous savez, les régulations internationales, supranationales, c'est quoi? Si c'est pour que ce soit, encore une fois, je sais pas, l'UNESCO, bon, de toute façon, qui n'est pas une régulation et qui n'est pas, c'est-à-dire au fond, quelque chose qui ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tout est faux, tout est pipé. Regardez les statistiques de l'UNESCO, tout est faux. Non, mais personne ne le dit, mais tout est faux. Alors, quand c'est les organismes de statistiques français ou américains ou allemands qui donnent les statistiques, ça va à peu près. Mais lorsque c'est les Chinois, les Indiens, même les Indiens, les Égyptiens, les chiffres sont faux. Les Chinois vous expliquent qu'ils font 800 longs métrages par an et tout le monde écrit 800. Et après, on lit partout 800 parce qu'ils l'ont déclaré à l'UNESCO. Sauf que c'est la pure propagande. Tout le monde sait que les Chinois ne sont pas capables aujourd'hui de faire 800 longs métrages dans le cinéma. Ils en font peut-être 200 et tout y est censuré. Est-ce que c'est l'OMC? Bon, c'est déjà beaucoup mieux quand même. Voilà, donc après, il faut voir un petit peu ce qu'il en est. Ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on se connecte, lorsqu'on s'ouvre au numérique, notamment dans un certain nombre de pays, on a, enfin, en tout cas, c'est la Banque mondiale qui le dit, on a plus 0,5, plus 1 point de PIB dans ces zones-là. Donc, c'est pas des choses qu'il faut négliger si on veut sortir nos pays de l'idée du déclin, hein, comme le disait l'autre fois le Premier ministre, il y a pire que le déclin, c'est l'idée du déclin, la peur du déclin qui est pire que le déclin lui-même. Eh bien, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, après, ces régulations internationales sont très complexes à mettre en œuvre, et je pense que l'accord Europe-États-Unis, peut-être que quand on sera, y compris vous, à la retraite, on en parlera encore. Après, on peut quand même aussi ajouter que, en général, les Américains veulent moins de, plus de facilité de transactionnelle et donc moins de régulation. Oui, nous aussi. Non, mais parce que c'est quel est aujourd'hui, c'est quoi le traité d'Amsterdam, c'est quoi la pensée fondamentale de l'Union européenne, c'est-à-dire essentiellement, là je ne parle pas du Conseil, je parle de la Commission, c'est essentiellement cette pensée-là aussi. Voilà, après, on peut le contester. D'ailleurs, moi, pour une part, il y a des choses qui m'ennuient, comme beaucoup. Mais je crois que l'Europe, elle est construite d'abord sur la liberté de
commerce, la liberté de circulation des produits, déjà au niveau européen, et si possible avec des partenaires extérieurs. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec la Turquie, c'est ce qu'on veut faire avec Israël, c'est ce qu'on veut faire avec la Méditerranée, et donc c'est ce qu'on veut faire avec les États-Unis. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. Si vous voulez, il y a un moment qui dit accord, qui dit échange et qui dit dialogue, bah, dit des concessions. Enfin, lorsque vous allez en Corée du Sud et que vous voyez les gens du cinéma, ils disent c'est horrible, l'accord, alors c'est du bilatéral, hein, l'accord avec la Corée et les États-Unis, ça a mené au déclin du cinéma sud-coréen, qui avait d'ailleurs commencé à décliner avant cet accord, mais oublions ce détail. Effectivement, il y avait des quotas avant, les quotas ont été supprimés. Avant, vous aviez des films sud-coréens obligatoires, qui sont dans tous les cinémas, et maintenant, il n'y en a plus moins, etc. Bon, la réalité, c'est que le gouvernement sud-coréen a passé un accord pour gagner sur le terrain de l'agriculture et sur un certain nombre d'autres données. Il a accepté de lever ses quotas sur le cinéma. Bon, c'est pas les Américains qui l'ont fait. Enfin, c'est les Américains qui l'ont demandé, les Coréens qui l'ont accepté. Certes, avec des moyens de pression pas forcément toujours sympas, mais ça fait aussi partie de la négociation. Et je pense que si au final, les Sud-Coréens l'ont fait, c'est parce qu'ils estimaient que globalement, c'était bien pour la Corée du Sud. Sinon, je ne pense pas qu'on puisse penser que le gouvernement et le président sud-coréen, son premier objectif, c'était de faciliter les États-Unis et de nuire aux Sud-Coréens. Enfin, Non, bien sûr. Et puis ensuite, à la clé, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est qu'il y a, un marché d'une taille qui est proche de 900 millions d'individus. Donc, avec un pouvoir d'achat qui n'est pas celui des pays émergents. Moi, je pense, si vous voulez, ça, c'est mon côté. Moi, je ne suis pas anti-américain. J'ai passé, à nouveau, je fais ma thèse sur les États-Unis. J'y ai vécu longtemps, où je dirigeais d'ailleurs un service culturel français. C'est-à-dire donc de défendre la France aux États-Unis, c'est pas toujours facile, surtout quand je suis arrivé, c'était une semaine avant le 11 septembre 2001, et donc c'est un peu marquant, hein, sous Bush. Mais le point important, c'est que moi je ne crois pas à une régulation, c'est une manière aussi de répondre, hein, je ne crois pas à une régulation qu'on ferait tout seul. Je pense que si on veut, sur le numérique par exemple, on ne réussira pas à réguler le numérique sans les Américains. On ne peut le faire qu'avec eux, pour plein de raisons. Et d'abord parce que nos ennemis sont ailleurs. Et ce n'est pas les Américains nos vrais ennemis. Je pense que donc on peut construire des choses avec eux et qu'on est tellement puissant dans un marché de 500 au niveau de l'Union européenne qu'on peut sans doute imposer aux Américains vraiment des choses. Et que dans ce dialogue entre la France, entre l'Europe et les États-Unis pourra naître des normes qui du coup pourront se généraliser à l'ensemble du monde parce que pour le coup, les Chinois seront obligés de travailler sur ces normes-là si les Américains et les Européens sont d'accord. Et moi, c'est plutôt ça mon approche. Parce que sinon, si on va à la... On peut toujours aller à l'affrontement, mais je ne crois pas qu'on y gagnera. Il faut aller à la négociation par consensus et arriver à obtenir des décisions qui nous soient bénéfiques. Une dernière question peut-être ? Non. Si, voilà. Si, madame. Si. Bonsoir. Une question de néophyte, peut-être question stupide. On entend aussi régulièrement parler du Deep Internet, sans trop, pour ma part, comprendre ce qui s'y passe. On dit que c'est Yahoo, Google, etc., sont la phase émergée de l'iceberg. Est-ce que la mondialisation ou le terme que vous employez de sphère conversationnelle fragmentée, est-ce que l'un ou l'autre se trouverait finalement dans le Deep Internet et qu'est-ce qui s'y passe ? Le Deep, alors il y a déjà plusieurs façons de concevoir ce qu'on appelle Deep Internet, c'est-à-dire la profondeur, donc, c'est-à-dire l'idée qu'au lieu de regarder Internet dans ce qu'il a de, justement de global et au fond de visible, on regarde ce qu'il a. Alors il y a plusieurs manières de le concevoir. Soit c'est par exemple, vous parlez de moteurs de recherche qui au lieu d'être horizontaux sont verticaux et vont permettre, et c'est d'ailleurs une des forces pour l'Europe, puisque, au fond, enfin, disons-le entre nous, hein, enfin, je ne sais pas si je le dirai partout, mais enfin, on a perdu la bataille des moteurs de recherche. Enfin, aujourd'hui, personne n'est capable de concurrencer Google en Europe. Ça changera peut-être, mais il faudra plusieurs décennies. Personne n'est capable aujourd'hui de faire Google Maps. Si aujourd'hui, on met des milliards, je dis bien des milliards, pour créer Google Maps, on ne réussira pas à concurrencer Google probablement dans les 15 ans à venir. C'est les statistiques qui existent, tellement ils ont accumulé de données, de voitures qui ont circulé, etc. Donc il est clair qu'on est très en difficulté. En même temps, on peut être très fort
sur les moteurs de recherche verticaux qui permettent, qui sont sur deux niches ou qui sont spécialisés et qui sont aussi l'avenir d'une certaine manière. Donc là, on a tout un tas de points positifs, de même qu'on est bon sur les applications, on est assez bon sur le cloud, on est très bon sur les contenus, on est bon sur la musique en streaming, hein, j'ai cité Spotify, Deezer, Qobuz qui sont français, on est assez bon sur la vidéo en streaming, etc. etc. Pour d'autres, le Deep Internet, et c'est souvent comme ça qu'on le conçoit, c'est essentiellement l'Internet, je dirais, qui permet des commerces, alors illicites ou pas, mais c'est la pornographie, ça va être tout le fonctionnement des Bitcoin et toutes les monnaies parallèles. C'est évidemment... c'est au fond tout ce qui n'est pas... qui est davantage souterrain, mais ça va aller aussi... c'est tous les sites qui sont codés, tout ce qui va concerner, etc. Tout ce qui va concerner aussi les anonymes, enfin toute l'anonymisation, etc. Alors il y a toujours un versant positif et négatif, donc c'est à la fois la face sombre de l'Internet, mais c'est aussi par ce biais-là que vous avez tous ces systèmes de relocalisation d'adresses IP, pour le dire plus simplement. Lorsque vous êtes en Chine, vous vous relocalisez à travers tout un tas de systèmes existants, et hop, vous êtes au Canada, et donc vous pouvez surfer sur Internet librement. Donc voilà, donc ça peut être positif, puis ça vous permet de déjouer la censure. Parfois, d'ailleurs, c'est très généralisé. Quand j'étais en Iran, quand vous êtes en Iran, par exemple, en apparence, c'est un peu censuré. Quand vous faites pas, vous demandez pas, vous rentrez, il y a des cybercafés partout, vous rentrez dans les cybercafés, vous amusez. Alors je me suis amusé, j'ai cité dans le livre, à Canal+, ils l'ont recité, c'était drôle, mais par exemple, je sais plus, qu'est-ce qu'il y avait. Oui, par exemple, vous tapez, le truc le plus drôle, c'est vous tapez sexe, on vous propose... d'acheter le Coran. Bon, c'est assez clair, c'est rapide. Autre exemple, vous tapez Dick Cheney et hop, c'est censuré. Alors vous dites, mais pourquoi ils n'aiment pas Dick Cheney? Ils n'aiment pas les Américains? Pas du tout. C'est parce que dans Dick Cheney, il y a le mot Dick, évidemment, et le mot est censuré, parce que vous savez ce que ça veut dire en anglais. Sinon, vous utilisez un dictionnaire et vous saurez. Bref, quand vous serez grand. Non, le point principal sur ça, c'est que en réalité, dès que vous parlez au type, il vous dit, ah mais non, mais c'est très facile, vous utilisez ce truc-là et hop, ça y est. Et en fait, Internet n'est plus censuré. Et en fait, il y a des filter breakers, tout un tas de systèmes qui font qu'en réalité, les gens se débrouillent très bien. Même en Chine, hein, on a pas mal d'endroits quand même où on arrive à accéder à des sites non interdits. Par exemple, moi, j'ai réussi à pénétrer, c'est pas non plus super compliqué. Par exemple, Wikipédia était, à l'époque où j'y étais, semi-censuré. C'est-à-dire, par exemple, vous tapez Tiananmen sur Wikipédia, vous avez l'histoire de la place, les fleurs, les tableaux, l'histoire, enfin voilà. Par contre, il n'y a jamais eu de révolution sur la place Tiananmen. Je dis ça parce qu'on est bientôt, début juin, c'est l'anniversaire de Tiananmen. Merci. Alors, avant de conclure et de vous remercier sincèrement d'avoir accepté notre invitation, je veux remercier évidemment notre public d'être venu ce soir. Et je remercie aussi Cécile et Sandra qui nous ont aidés à préparer cette conférence. Je vous donne d'ores et déjà donc rendez-vous le 26 mai prochain avec Vincent Hervouet, un des cofondateurs de LCI, qui viendra parler des médias comme quatrième pouvoir ou comme contre-pouvoir. Je vous laisse désormais participer à la séance de vente et dédicace de vos livres. Ouais, venez me parler, c'est mieux. Et aussi voilà. Discuter avec vous. Merci à Gérard Festival, président de Audencia Group.